Durant le confinement, le marché de Sarreguemines aura déserté le centre-ville pendant uniquement une semaine. La mairie a en effet décidé de le rouvrir au plus tôt pour permettre aux clients habituels de s'y rendre. Pendant plus d'un mois, un nombre restreint de commerçants étaient autorisés à vendre leurs marchandises. Il était en effet possible d'acheter à manger, mais pas de vêtements. Le nombre de clients était également réduit. Pendant le confinement, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent par rapport au virus Covid-19. D'autres commerçants ont été obligés de rester chez eux. On ne pouvait pas travailler, revenu zéro. On était un petit peu à l'effigie de la France entière. Tout le monde à la maison a se posé des questions, quoi faire. En bénéficiant néanmoins d'aide, permettant à ce commerçant et à d'autres professionnels de compenser la perte économique. Depuis le 11 mai, il est possible pour tous les commerçants non sédentaires de vendre leurs articles les mardis et vendredis matins à l'occasion du marché bi-hebdomadaire de la Cité des Faïences. Sarreguemines a réouvert donc pour tous les produits manufacturés, ce qui n'est encore pas le cas en Alsace et ce qui n'est encore pas le cas dans d'autres villes en France. Le retour de l'ensemble des commerçants attire davantage de clients. À ma grande surprise, peut-être c'est dû à la météo, peut-être que c'est dû également à la saison donc des horticulteurs, les plants, etc. Je trouve qu'il y a quand même un retour de la clientèle au marché. Sans toutefois atteindre l'affluence des années précédentes, mais le déconfinement vient juste de commencer, les clients ont encore des réticences à sortir pour effectuer des achats. Les mesures de distanciation physique et l'usage quasi systématique de gel hydroalcoolique et de masques de protection ne suffisent pas à les motiver. Le virus et ses conséquences parfois dramatiques sont bien présents dans les têtes.